Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai fini mon folio. Voilà, qui contient à peu près une centaine de photos. Voilà. Donc c'est pour ma sœur. Bon là, j'ai mis des die cuts hein, de la collection. Ça, j'ai rajouté précieux. C'était un mot qu'on m'avait offert, mais je vais essayer de le mettre un peu d'encre dessus pour qu'il soit moins blanc. Hein, que ça aille avec le reste. Donc ça, je le ferai tout à l'heure. Voilà. Donc, bon, ce livret-là, vous l'avez vu, mais je vais quand même vous le montrer. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Ici, j'ai mis un petit die-cut. Voilà, donc je l'ai décoré. On a des die-cuts où on peut mettre une photo derrière, hein, dans le coin. Attendez, je vous montre ici. Voilà, dans le coin ici, on peut mettre une photo dessous. Voilà, pareil ici, on peut mettre les photos en dessous. Voilà, il y a des die cuts qui sont collés entièrement et d'autres non. Ici, une plume. Voilà. Ici, j'ai mis un petit cadre. Voilà, un petit love. Un petit cœur ici, die cut. Voilà, ici, comme il y avait une petite montre, j'ai mis la montre de la même collection Stamperia. Hein. Voilà, donc là ça change pas. Ici, j'ai laissé de la place pour les photos surtout. J'ai mis juste une petite lettre là. Là, j'ai rien mis. Il faut de la place pour les photos. Voilà. Ici, ben, je trouve que le papier là c'est joli, donc il n'y a besoin de rien. J'ai juste mis Dream, là, le rêve. Voilà. Ici, dans la cascade, j'ai mis une petite reine. Voilà, ça tient bien. Donc là, il y a à peu près 32-33 photos à peu près qui vont. Voilà. Celui du milieu, ici, bon, là, j'ai mis juste un die cut aussi et puis de la dentelle en haut. Donc sur chaque livret, j'ai mis de la dentelle. Voilà, j'ai mis des die cuts ici. Là, que c'est assez, elle peut mettre une photo. Voilà, donc ça c'est la page escargot. Ici ça s'ouvre pour mettre une glisser une photo dessous. Voilà, des die cuts. Ici aussi c'est une porte. Voilà. Ici j'ai mis une reine et puis un petit mot. Voilà. Des rabats, des aimants. Ici j'ai juste mis un cœur parce que voilà, c'est joli, donc le papier, donc c'est une cascade hein, voilà, comme j'ai fait toutes les cascades à peu près pareil. Voilà, elle mesure 12 cm en haut et 13 de large, donc normalement les photos elles vont bien aller. Voilà, ici j'ai mis un die cut. Voilà, ici j'ai fait une petite pochette là, ça peut servir pour marquer son histoire, tout, hein, elle peut marquer, voilà, là elle peut mettre une photo. Voilà, la deuxième ici, on enlève jusqu'en haut. Voilà. J'ai vu que j'ai oublié quelque chose, je le cache là. Voilà. Ça. Ici la grande plume en die cut. Voilà un rabat, donc c'est pareil, c'est 33-34 photos. Et ici, donc la petite reine, une porte qui tient le ruban parce que j'avais oublié de mettre le ruban hein, pour fermer quand même ce livret. Un petit ruban. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Ici j'ai mis la reine, la Sissi, hein, c'est Sissi l'impératrice. Un petit cadre, là elle peut écrire si elle veut, mettre une photo puis écrire le commentaire. Voilà, ici on soulève comme ça. Voilà, voilà, on touche pareil. Hop. On peut mettre une dizaine de photos. Voilà. Ici j'ai mis 2-3 mm pour un petit rebord pour l'épaisseur des photos. Il faut y penser. Voilà. Ici l'impératrice.
Ici, deux rabats aussi. Voilà. Pour des petites photos ou bien écrire. Hein. Voilà, là j'ai mis aussi pour écrire. Ça peut servir. Faire les commentaires. J'ai mis un aimant. Voilà, et ici un rabat aussi. Voilà. Ici, la deuxième cascade. Voilà. Ici, c'est un cadre, on peut glisser une photo dedans. Voilà. J'ai laissé ouvert tout ce côté-là, comme ça on peut mettre une petite photo. Voilà. Ici, j'ai rien mis, je fais juste une petite pochette, là, pour mettre les restes de photos, par exemple. Voilà. Donc, celui-là, il fait à peu près 35 photos. Donc, pour une centaine, quoi. Une centaine de photos environ. Ouais. Tout dépend comment elle va les placer. Voilà, je vais encore décorer un peu ici. Alors, je pense que je vais mettre des strass ici, sur le rose, là. Je vais voir si ça gêne pas trop. Hein. Il faut voir si ça gêne pas la fermeture. Et si ça gêne pas, ben, je mettrai des strass. Des lignes, vous savez, les lignes de strass, des fois, on en trouve. Je verrai, je vais voir ce que je trouve pour décorer le dedans. Voilà, sinon j'ai mis de la dentelle beige un peu partout, là, sur les trois. Voilà, moi ici j'ai rien mis à la fin, puisque ça retient comme ça. On peut mettre une photo aussi ici. Et voilà. Bon, voilà, il est bien déjà bien rempli, donc avec les photos ça va tout contenir et c'est sympa. Donc voilà, pour ma soeur, elle va être contente. J'amènerai la semaine prochaine, parce que j'y vais la semaine prochaine. Donc, les tranches, bon, c'est de la dentelle. Voilà. Hein. Je pourrais mettre aussi quelque chose là. Je ne sais pas, on verra. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien rempli. Voilà, une centaine de photos. Voilà. Ben, j'ai bien aimé. J'avais tout ce qu'il fallait. Donc, il n'y a pas de souci. Quand on a les papiers, j'ai juste pris des papiers jaunes, hein, bien sûr, pour faire tout. Mais sinon, on m'avait donné les papiers déco, hein, Stamperia, sur les chevaliers et tout ça. Elle m'avait aussi acheté un grand de 30 sur 30 avec les mêmes couleurs, bleu, rose, beige. Donc ça, j'ai pu faire aussi. Il reste des pages. Et puis, elle m'avait acheté deux petits aussi dans le même style. Voilà. Donc voilà le dévoilement, j'espère qu'il vous plaît. Voilà. Je vais peut-être rajouter des coins si j'y arrive, voilà. Pour protéger les coins, que ça dure des années. Voilà, voilà, merci d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez toutes bien, et profitez du soleil. Voilà, gros bisous à toutes, au revoir.